Salut tout le monde, c'est Fulito, on se retrouve aujourd'hui pour ce 23ème épisode de notre aventure sur Pokémon version Crystal. J'espère que vous allez bien. Donc dans cet épisode, nous allons continuer ce que nous avons fait la dernière fois. Donc c'est-à-dire continuer notre chemin vers Bourgeon. Bourgeon. Donc notre ville de départ. On a déjà fait la route 46. Donc je vais pas le faire une deuxième fois, je vais juste y revenir pour faire quelque chose qu'on va voir juste après. Et on a l'entre-noir à visiter, que j'avais dit de le faire depuis le début du jeu, vu qu'on l'avait croisé une première fois dans l'épisode 2 ou 3. Et donc j'avais dit qu'on allait la faire, donc on va la faire, peut-être pas en entière, on verra. Et pour le moment, on va juste se rendre vite fait dans l'antre du dragon, car j'ai oublié de faire un petit truc la dernière fois. Un petit truc pas trop important, mais ça, voilà, c'est, comment dire, hop, j'ai appuyé sur l'accélérer, décidément j'ai du mal. Donc ouais, c'est pas important, mais pour la collection, c'est plutôt bien. Donc, on y retourne vite fait. Hop, est-ce que j'ai un super repousse? Comme ça, on va éviter les combats inutiles. Ah, un super repousse. Ok, hop. Et on retourne voir le vieux papy. Je sais plus comment il s'appelle, donc il va s'appeler le vieux papy. C'est aussi bien comme ça. Et toi là-bas, bienvenue. Tu tombes au bon moment. J'ai quelque chose pour toi. Ce mini Draco est la preuve de ta valeur. Fulito reçoit un mini Draco. Voilà. Donc j'avais oublié de récupérer ça la dernière fois. Donner un surnom. Non, les Pokémon Dragon représente notre clan. Tu es digne d'en posséder un. Ok. Par contre, je vais juste regarder un truc. Hop. Oh, vitesse extrême. Oh, oui, il possède quand même vitesse extrême. Donc, c'est que j'ai bien répondu aux questions, apparemment. C'est plutôt cool. Parce que normalement, il ne l'apprend pas. Bon. On va aller le stocker. Peut-être que je l'entraînerai pour la fin du let's play et faire évoluer en Dracolos et combattre avec, comme pour Suicune. Je verrai ça. Et on va se remettre en chemin. Donc je vais faire une petite ellipse, le temps de retourner au centre Pokémon. A tout de suite. Bon, alors on va stocker notre mini Draco. Hop. Stocker. Mini Draco. Et on va récupérer notre Morphang. T'es où toi? T'es là. J'avais prévu le coup, j'avais fait ça juste avant l'enregistrement. Et donc maintenant, on va pouvoir se diriger vers le bas une seconde fois. Je vais juste prendre Max Repousse. Bon, je vais en prendre quelques-unes. Si on va dans la grotte, ça pourrait être utile. Voilà, on va en prendre 10. Et c'est parti. Donc on va pas tout de suite aller dans la grotte. On va faire quelque chose que j'avais dû faire au début de l'épisode. C'est-à-dire capturer Hermure et Donphan. Donc on va les chercher. Et si au bout de 3 Pokémon je le trouve pas, je vais faire des ellipses le temps de le trouver. D'ailleurs, je vais juste mettre l'autre Morphang en premier. Ce sera un peu plus pratique pour l'endormir. Voilà.
Bon, je compte pas refaire toute la route, hein. Je vais rester ici. Pourquoi j'ai pas vendu ça, moi? Y a vraiment rien que je peux jeter. Sable doux, huile, tu dotes. Bon, on verra ça plus tard. Alors, armure, Dunfun, Vampy. Un des trois. Un Gravalanche. Je m'en fous de toi, mon petit Gravalanche. Bon, il y a encore un Pokémon et je fais une ellipse. Si jamais, c'est pas un des trois. Ah! Oh ben. Dunfan. Non. Non. Non, 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 non. Non, vous avez vu. Alors je. Non, je le prends pas. Ah, bah notre Dunfan. Non! Purée, c'est le même! Il me poursuit! Non, je veux pas de toi! Je veux pas de toi! J'ai dit, je veux que des mâles dans mon équipe! Je veux un mâle! Bon, je vais faire une petite ellipse le temps de trouver un mâle. Allez, à tout de suite. Ok, bon, un armure et mal en plus. Bon, alors, bon, c'était, c'est passé bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai du mal. Hypnose. Hop, ça, c'est plutôt bien. Alors maintenant, il va falloir le capturer. Alors là, ce sera plus dur. Soit. Je balance des bols comme ça. J'en ai 32. Ah oui, j'ai pris du stock. On va essayer. Bon, je dois pas le tuer si je l'attaque. Je sais pas du tout. En tout cas, il est stylé. Il est vraiment stylé quand même. On va essayer un truc. Pitié, 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 pitié. Oh, oh c'est bon ça. Non, réveille pas, réveille ta pipou pas. Je veux dire, réveille-toi pas. Voilà. Fais dodo. Fais dodo, c'est bien. Une bonne petite sieste. Et pour l'instant, je t'attaque comme ça. C'est bien, ça, c'est pas beaucoup efficace sur lui. Bon, on aura gâché une hyperbole dans le truc, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, allez, encore un, et je pense que ça devrait être bon, en espérant ne pas le tuer. Ouh, c'est bien, dors, 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 continue à dormir. Donc sac, hyperbole. Allez, mon petit armure, on y croit. Ding, ding. Et voilà. Armure capturée. Le profil d'armure est ajouté au Pokédex. Les plumes qu'il perd sont très aiguisées. On les utilisait autrefois comme des sabres. Youh! Donner un surnom, non, je ne veux pas. On va le récupérer après parce que pour l'instant, Norfang, j'en ai besoin pour endormir. C'est un peu pratique. Donc, bon, je vais refaire une petite ellipse, le temps de trouver Dunfan cette fois, ou Fampi, je sais pas. Alors ça c'est plutôt cool, ça fait même pas deux combats que de Pokémon que je trouve déjà Dunfan. Ça fait même pas une minute, 30 secondes à peine. Bon, bah c'est bien. Bon, bah alors du coup, on va refaire pareil, Hypnose.
Voilà. Alors, cette fois, on va continuer avec Chocomental. Ouais. On peut en faire 2, 3, je sais pas. Déjà 2. Ouais, bon, là ça devrait aller, je pense. Bon, là c'est bien. Ils sont un niveau 27, l'autre niveau 30. Bon, je les entraînerai pour la prochaine fois. Les mettre au même niveau que les autres, donc dans les niveaux 46, 47, 48. Allez, mon petit Dunfan. Enfin, mon gros Dunfan. Bon, j'aurais préféré avoir Fampi. Comme ça, au moins, on aurait vu Fampi évoluer en Dunfan. Bon, tant pis, on va pas se plaindre. Ah, il est résistant. Allez. Espérons que c'est la bonne. Comme ça, après, on fait l'entrou noir. Ah! Bah alors. Qu'est-ce que tu nous fais, là? On va épuiser toutes nos hyperboles sur lui. Hop, excusez-moi. Ah, bah voilà. Enfin. Le profil de Dunfan ajouté au Pokédex. Alors, sa peau est si épaisse et résistante qu'une attaque normale ne peut l'atteindre. Donation, non, Dunfan. Bon, et bien c'est bien. On a nos 6 Pokémon. Donc on va aller les récupérer. Je vais juste faire un petit truc d'abord. Parce que sinon je sens que je vais me faire troller par les objets. Vendre. Et je veux vendre Pépite. Voilà, Pépite, je veux vendre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Maintenant, on va aller sur nos Pokémon. On va les récupérer. Et. Et après, on va faire la suite. Par contre, est-ce que dans la grotte j'aurais besoin d'Éclatroc? Je ne sais plus. Mince. J'ai pas pensé. Mareste. Tu as quoi toi? Force, on va la prendre à Dunfan. Éclatroc. Bon, c'est pas grave, au pire, on va aller. Je vais passer vite fait à Dublonville, il y en a. Je vais te stocker, voilà. Siphon, on n'a pas besoin d'un. Ah, j'aurais besoin de Flash aussi. Dans la grotte. Ah, embêtant ça. Bon, bah alors toi, on va te garder, on va pas prendre tout de suite Hermure. On va prendre Dunfan pour le moment. Ouais, retirer, voilà. Est-ce que j'ai besoin de Flash dans la grotte? Bon, bah au moins, on aura déjà Dunfan. Hop. Sac, on va vite fait lui apprendre force. Non, mais ah, j'en ai marre. Voilà, mon petit force. Hop, apprendre force à un Pokémon. On va l'apprendre à Dunfan. Parfurie, pas apprendre force. Je sais pas. Bon, j'ai supprimé quoi? J'ai pas regardé. Ah, ouf, rugissement. Oh purée.
T'as quoi comme attaque? J'ai même pas regardé tes attaques en fait. En fait. Force, boule armure, fléau, fury. Ok. Bon. Tout ça c'est très bien. On va donner le multi-ex à Denfan. Voilà. Et on va vite fait passer à Dublonville acheter une capacité éclatroc. Bon, je vais faire ça en ellipse ou en accéléré, histoire de pas perdre de temps. Hop, on va lui apprendre vite fait. Dunfan, tu vas oublier quelle attaque. Après, je sais pas si on va garder Clatrock, on va certainement l'effacer. Voilà ça. Voilà. Pour le moment. Je regarderai les attaques pour le prochain épisode. Entre les épisodes, je ferai ça. Et donc, on va se diriger vers l'entre-noir. On pourrait directement aller à Bourgeon, mais j'ai envie de le faire. Voilà, je l'avais dit au tout début du let's play. J'avais dit qu'on allait le faire, et donc on va le faire. On va mettre... on va dans une grotte, on va mettre l'Eviator en premier. Voilà, et toi tu vas juste faire ça. Voilà. Non. Allez, c'est parti. Bon, l'objet qu'il y a là, je m'en contrefous. On va le récupérer plus tard, hein. C'est pas important. Alors, cette petite gueulotte. Non. Je fais n'importe quoi. Ah, déjà, faut surf. Heureusement qu'on a surf. Ah, il y a plusieurs chemins. J'ai oublié de faire un truc. Je ne m'en rends compte que maintenant. Merci. Coucou, oui. Ah tiens, prends-toi dans ta face, un Pokémon stylé. Zac. On va mettre une max repousse. Hop, direct. Voilà, on est tranquille. Et on va visiter vite fait, hein. On va pas s'éterniser non plus. Parce que ça part quand même. Un petit peu pas dans tous les sens. Là-bas il y a un dresseur. Enfin, je crois que c'est un dresseur. Peut-être un mec qui donne un objet, je sais pas. Je ne sais pas. Là il n'y a pas d'objet, non. Bon, c'est un dresseur, on va le combattre. Waouh, tu m'as fait peur. J'avais mes lunettes noires. J'ai rien vu venir. Ce que je fais ici, c'est pas trop tes oignons, non. Voilà une paire de lunettes noires. Oublie que tu m'as vu, ok? Ok. Les lunettes noires augmentent la puissance des attaques de type ténèbres. Ok, ok, ok. Type assez étrange, hein. Il veut pas qu'on dise qu'on l'a vu. Bon ben, écoute. Ah non! Ah non! Ah non, il y avait un objet là-bas. Non. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. On n'est pas non plus à un objet près. Ça tombe, c'était un objet ultra important de la mort qui tue. Ou alors ça tombe, c'était un objet ultra pas important de la mort qui tue pas. Comment je suis censé aller là-bas, moi? Ouais. Voilà. Bon, en fait,
tout simple. Je crois que c'était. Je crois qu'on pouvait pas passer, c'est pas grave. Alors là-bas, ça doit donner sur la route qu'on a croisée au tout début du jeu. On va casser le rocher. Un Pokémon. Un Krabby. Qu'est-ce que tu fous ici, mon petit Krabby? Toi, t'es perdu. Bon, alors, on va aller en haut vite fait. Au final, il y a peut-être moyen de récupérer l'objet qu'on a vu. Off. Oh. Ça, c'est chiant. Chiant, chiant, chiant. Ah, mais ça, c'est pour... ouais, mais la multi-exp... Sérieux, j'ai une potion, mais... Alors la potion... Au revoir. Je peux faire ça. Élixir, voilà. Ça pourrait nous être utile pour la ligue. Les élixirs. Alors là, il n'y a rien. Là, un objet encore. Une hyper potion. Cool. Ah, on va relancer. Bon, on va faire de la place. Super repousse, il en restait combien? Pas beaucoup. 4. Bon, comme ça, ça nous fera de la place si jamais on a d'autres objets. Oh, ça part dans tous les sens. Ah. Total soin. Ouais, on va passer par là. Bim. Oh non. Ça, c'est horrible. À chaque fois. Muscle plus. Wow, alors là, en fait, je m'en fous un peu. Et... Ah, bon, bah, on est déjà sorti. Bon. Alors, l'autre chemin, ça devait être la... De l'autre partie... L'autre partie de la grotte. Donc, ça devait être... à ce niveau là. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quand même... Non, ça sert un petit peu à rien. Il n'y a pas grand-chose. Il ne doit pas avoir grand-chose de toute façon. Bon, bah, bon, on a refait le petit tour vite fait. Comme ça, j'avais dit qu'on allait le faire. On l'a fait. Et bon, bah, on va continuer sur cette route. Et on va aller voir le professeur Orm. Toi, je t'ai déjà combattu? Ok. Bon, tant mieux. Effet de repousse terminé. Salut, ça fait un bail. Coucou. Et on se reprend direct un Pokémon inutile. Un Fouinette. Ah, si c'est un Fouinette alors. Par contre, j'ai pas récupéré mes... On va plus prendre armure maintenant. Y a pas moyen de prendre armure directement à... Directement là. On va... Je sais pas si on peut prendre directement ici. C'est embêtant. Bon, on va vite fait. On va vite fait aller à Ibenel maintenant, c'est bon. Vu qu'on est retourné à Bourgeon, on va vite fait retourner. Je le mets dans l'équipe. Et on n'en parle plus. Maintenant on n'a plus besoin de flash. Enfin, à mon avis, je pense. Stocké. Norfang. T'es bien sympa. Tu m'as été très utile pendant la partie de l'aventure. Cette partie-là. Mais maintenant. Et il y a Airmur. Voilà, Airmur. Voilà.
Je vais mettre dans l'ordre des captures. Pourquoi faire ça? Je ne sais pas. J'aime bien. Ah là. Par contre, est-ce qu'on n'a pas un objet pour les types acier? Je pense pas. Faudrait que je regarde si on n'a pas un objet qui augmente les capacités des types acier. Un sable doux, donné. Je vais donner vite fait ça à Donphan. Voilà. On va apprendre vol à Bidule. Armure, voilà. Temps d'apprendre vol. Effacer une ancienne capacité, oui. On va effacer jet de sable. Voilà. J'ai pas encore une autre capacité à t'apprendre, toi. Non, apparemment non. J'ai pas un truc assez. Non. Ah, je croyais. Je croyais. Bon. Bon, ben. On va vite fait se soigner. Je sais pas si on s'est soigné. On va se soigner. Pour le fun. Et on va aller voir le professeur Orm. Là maintenant, on a la classe avec nos 6 Pokémon officiels, hein, l'équipe finale. Je l'aime bien cette équipe. On va voir ce que les deux autres ont à donner. Alors, professeur Orm. Coucou. Merci, Fulito. Tu aides mes recherches sur les Pokémon. Voilà pour toi, cadeau. Master Ball. Oh, bon, bah, merci. Cette Master Ball est la meilleure des balls. Elle attrape n'importe quel Pokémon à tous les coups. On ne la donne qu'aux grands chercheurs Pokémon. Tu l'utiliseras mieux que moi, Fulito. Ok, c'est tout? Bon. Bon, bon, bon. Cela contient un Pokémon attrapé par le professeur Orm. Dommage qu'on peut pas le récupérer lui. Tiens, il n'y a pas un petit truc là-dedans. Non. Bon ben apparemment c'est tout. T'as rien d'autre à nous dire toi, non? Fulito, je t'appelle si j'ai du nouveau. Bon ben. Bon. On va aller voir notre maman. Et on va se laisser là, je pense. On va pas se diriger vers la suite. Bienvenue, tu fais des efforts. C'est dur l'aventure, j'ai rangé ta chambre. Est-ce à propos de l'argent? Non. Veux-tu modifier l'heure? Non. Fais de ton mieux. Ok. Attends, je vais juste voir ma chambre. T'as rien touché à ma chambre, toi. Ça va. Bon, 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 bon. Eh bien, nous allons nous laisser ici, devant notre maison. Voilà. Et... Donc j'entraînerai bien évidemment Hermure et Donphan pour la prochaine fois. Donc les autres sont niveau combien? Bon, vers le niveau 47-48. Peut-être entraîner aussi Farfuré et Léviator. Comme ça je vais peut-être tous les mettre au niveau 48. Voilà, de toute façon je vais les entraîner pour la ligue. Donc je commence dès maintenant. Enfin, je commencerai dès maintenant en faisant ça. Et du coup, ben voilà. Donc, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Pensez à laisser un petit pouce vert pour ces deux nouveaux compagnons qu'on a capturés. Et donc, pour cette magnifique équipe finale. Et donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 24. Et donc, on va se diriger vers la Ligue Pokémon. Voilà. Allez. Bye bye tout le monde.